Devenue une comédienne à succès grâce à la série Capitaine Marlowe, Corinne Maziro a connu une enfance très difficile. À seulement 13 ans, elle est tombée dans la drogue et dans l'alcool. Plus tard, pour se payer toutes ces substances, elle a été obligée de se prostituer et s'est retrouvée sans domicile fixe. Mais ce n'est pas tout, l'actrice a également été victime d'inceste. Sur les ondes de France Inter. Lundi 19 septembre 2022, elle s'est confiée pour la première fois sur ce terrible traumatisme. Le 26 septembre prochain sur France 3, Corinne Maziro témoignera dans le documentaire Inceste. Le dire et l'entendre, signé Andrea Raulins Gaston. C'est à cette occasion qu'elle a été invitée à la radio et qu'elle s'est exprimée sur ce sujet. C'est important de prendre la parole, c'est important de participer à des projets et des films comme Andrea a fait. Parce que la parole, c'est l'étincelle qui permet de faire bouger les choses après, a-t-elle confié. La comédienne s'est ensuite livrée sur son propre vécu, quand on subit ça, qu'est-ce qu'on représente après? On n'est rien. On est un objet, un bout de viande, et on le garde toute sa vie, on fait avec. On n'en guérit pas. Comme si on te coupait une jambe et qu'après on apprenait à marcher mais avec une jambe en moins. Puis elle a indiqué, c'était sous couvert d'amour que l'on t'agresse. Je t'aime bien. Je t'aime, donc regarde, on va se caresser. Ce mot amour, je le déteste. Ça ne veut plus rien dire amour. Comme elle l'a souligné, le fait d'être agressé sexuellement par un membre de sa famille crée la confusion dans la tête d'un enfant. En plus, c'est physique, toute personne qui se fait caresser, commence soit à bander soit à mouiller et du coup tu te dis que finalement tu en avais aussi envie. Et donc, tu deviens honteuse parce que tu crois que c'est de ta faute, mais ce n'est pas toi. Donc il y a un mélange, a-t-elle expliqué. Aujourd'hui encore, le traumatisme reste vif. En plus du mot amour, la comédienne déteste le mot famille.